Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour l'ouverture d'un album de K-pop et je pense que tu sauras déjà de ce que c'est vu que j'ai dû faire ça sur la miniature ou le titre. Bref, toujours est-il. Juste, je t'explique pourquoi je n'ai pas présenté d'album de K-pop depuis un petit moment. C'est tout simplement parce que très clairement, c'est pas que j'ai décroché au niveau de la K-pop, c'est juste que je n'ai plus le temps et souvent je loupe les informations parce que je me suis abonnée à trop de chaînes YouTube en rapport avec la K-pop et donc je suis tellement inondée par d'informations sur la K-pop qu'au final je regarde plus rien. Et en même temps, ça me dérange énormément de m'acheter un album de K-pop, sachant que je vais l'ouvrir, le regarder avec toi dans la vidéo, et qu'après il va finir dans une énorme boîte, comme une sorte de boîte à chaussures, rangée dans une pièce dans laquelle je vais jamais, et que je ne vais pas re-regarder mon album, et qu'il n'est pas exposé, parce qu'ici, dans cette maison-là, chez mes parents, en tout cas, je n'ai pas la place pour les exposer et que de toute façon, je ne vais pas non plus utiliser le CD pour écouter la musique parce que j'utilise YouTube, parce que sur YouTube, on a une vidéo YouTube avec tout l'album disponible et je l'écoute du coup sur mon téléphone en utilisant une vidéo YouTube, mes écouteurs et voilà. Celui-ci, j'ai voulu me l'acheter tout simplement parce que comme tu auras vu sûrement sur le titre et la miniature, c'est un album de Noël et je me dis que éventuellement pour Noël, je me ferai le plaisir chaque année de le sortir et d'écouter un petit peu hors des dates qui me dérangent le plus. Mais voilà, donc je voulais l'ouvrir avec toi. Alors oui, je l'ai reçu après Noël parce que déjà je me suis pris un peu tard pour l'acheter. Et aussi parce que bah, il y avait l'import en fait, voilà. Je n'ai pas commandé sur Taiyou ou l'autre Musica, je sais plus le nom. Parce que en fait, Taiyou, l'album était moins cher, mais le frais de port était plus cher. Et je le recevais aux mêmes dates. Au moins, non, je le recevais plus tôt, mais il était plus cher au niveau des prix. Et c'était à même pas une semaine près. Donc je m'en foutais. Et puis comme une fois de plus, il faut savoir que moi, je fais pas vraiment les choses dans leur nom par rapport à Noël. Je veux dire que moi, écouter un album de Noël en début janvier, ça me dérange pas. Ou écouter un album fin novembre, enfin tout le mois de novembre. Tu vois, c'est plus au niveau des dates vraiment. C'est comme les pulls de Noël. À partir du 15 à peu près, j'arrête ce qui est Noël. Et après, genre le 26, je recommence quand les gens arrêtent, en fait. Bref. Donc, il était dans une enveloppe comme ça, grise, emballé dans des papiers à bulles, donc là aussi c'est bien protégé. Je sais pas si c'est un acheteur où j'ai déjà acheté des albums parce que j'en ai acheté pas mal sur Amazon ou pas, donc je te dirai tout ça, je te mettrai ça en commentaire, je te mettrai le lien directement moi du vendeur auquel je l'ai acheté. Voilà, j'ai pris la version rouge parce que j'ai vu qu'il y avait une version verte mais je n'ai pas capté quelle était la différence entre les deux versions. Et si je sais ou si je découvre ou si j'ai des informations sur la différence entre les deux versions, je m'achèterai éventuellement la version verte, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, ça c'est plus le genre où je suis capable d'acheter du coup toutes les versions d'un album parce que justement, cet aspect Noël. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Alors que de base, je n'aime pas Noël, pour ceux qui ne le savent pas. Je te mets une vidéo là. Voilà, alors. On a l'album comme ça, j'ai ici une enveloppe avec toutes les cartes, j'ai l'impression qu'il y a toutes les cartes carrément. Et je passerai en fast tab façon après pour montrer l'album en soi, etc. Et je vais juste te mettre à côté de moi les photos et les noms des trois que je préfère par-dessus tout dans le groupe. Alors, hop. Ah oui, c'est bien toutes les cartes. Là, je crois que c'est le préféré de ma meilleure amie. Enfin, d'une de mes meilleures amies, pardon. J'étais en train de remballer les trucs quand je me suis dit que ça c'était bien épais
pour être juste un bout de papier. Et je pense que du coup, c'est le poster. J'ai pas calculé du tout qu'il manquait un poster là-dedans. Je sais pas, je... Peut-être le début d'année, j'en sais rien. Ou alors parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et je suis levée depuis très tôt. Effectivement, j'avais raison, c'est bien un poster. C'est l'image qu'il y a du coup au tout début de l'album, ça je l'ai aperçu. Et c'est l'image là, je pense qu'on vous la connaissez déjà, mais je préfère vous la montrer. Voilà. Donc pour ceux qui ont du mal à reconnaître mes chanteurs, j'essaie juste de chercher où est le dernier. Voilà. Alors, on a les deux au milieu. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, on a les deux là. Le blond de tout à l'heure, et ça c'est le premier que je vous ai montré au niveau des petites cartes. Et celui-là c'est le dernier que je vous ai montré au niveau des petites cartes. Voilà. Donc comme ça, et l'arrière c'est ça. Qui est le logo du coup qui est aussi dessiné apparemment sur les autres trucs, l'album, etc. Là par exemple, on le voit ici. Et l'album s'ouvre comme ça en fait. Je vous montre ça comme ça parce que c'est plus simple à présenter. Et voilà, en plus aussi le logo du CD. Il me semblait bien l'avoir vu ailleurs. Là, je vois juste qu'il y a des stickers. Ah si, il y a deux cartes. Donc, on va les découvrir ensemble. Comme ça, tu pourras voir ma tête et tout ça. Donc, juste, j'ai compris où étaient les cartes et tout ça. Je te montre juste des stickers. Je ne suis pas très emballée. Ouais, c'est rouge et vert pour rapport à Noël. Mais ça fait pas très, très Noël, tu vois. Et donc, les cartes, je n'ai toujours pas calculé qui c'était parce que c'était trop loin. Je sais juste que, tu vois, il y en a une qui est holographique et une non. Au calme chéri, oh non, ça c'est pas gentil les gars, oh non. Oui, bon bah celui en holographique, j'étais en train de me dire justement que voilà, lui j'étais un petit peu mitigée de me dire est-ce qu'il fait partie de mes favoris ou pas, mais l'autre, non, absolument pas, tu ne feras jamais partie de mes rangs. Voilà, ouais, non. Lui ça peut se négocier, voilà. Donc je te laisse continuer la vidéo pour découvrir les images qu'il y a dans l'album, etc. Et je te mets en i et en barre d'infos le lien justement d'une vidéo YouTube pour écouter l'album si jamais ça t'intéresse. Et dis... Cette vidéo sur l'album des Stray Kids version Noël, en tout cas l'album rouge, est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commente ou en partage. N'hésite pas à me dire si tu veux voir plus régulièrement comme une des vidéos album K-pop ou goodies K-pop. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. A bientôt !